pauvre Alex. Mais je pense qu'il est temps pour nous de faire un point sur nos connaissances en physique quantique. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je me suis. On peut déjà faire un point sur c'est quoi la physique. Ouais, tout à fait d'accord. Bien sûr. Mais c'est quoi la physique? Après le Covid, je me suis rendu compte que souvent, il y avait des choses qui existaient depuis très très longtemps, notamment en physique et aussi en biologie, et on avait peu de connaissances autour de ça, et on manquait de culture commune autour de la physique, donc j'ai eu envie de faire du théâtre scientifique en évitant la conférence le plus possible. Donc c'est avant tout du théâtre, et là, il y a 5 jeunes comédiens dynamiques, tout jeunes, qui essaient de se confronter à des concepts de physique quantique en essayant de faire du théâtre avec. Donc il y a aussi une love story, une petite histoire d'amour, il se passe plein de choses pendant le spectacle, et je crois que c'est assez joyeux, j'en crois les réactions et ce qui se passe. Le Charles est peut-être mort. Ou vivant. On peut pas savoir. Mais on a qu'à ouvrir la boîte, on saura. Effectivement, mais tant qu'on n'a pas ouvert la boîte... Le chat est vivant ou mort. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, le chat est dans deux états simultanés. Vivant et mort. Moi, j'y connaissais absolument rien en physique quantique il y a encore un an. Donc, j'ai avalé 4 bouquins de physique quantique pour essayer d'être moins bête. Et en fait, j'ai aussi envie de partager ça avec le public, ce que j'avais appris sur la physique quantique, les concepts qui me semblaient complètement dingues. Et on n'arrête pas de parler tout le temps de physique quantique, physique quantique, physique quantique. Et je ne savais pas du tout ce que c'était. Maintenant, je sais. Alors, venez le voir. Vous allez aussi connaître ce que c'est. Et vous savez ce qu'ils ont découvert? Toutes les vitesses n'existent pas. Les électrons ne se déplacent qu'à certaines vitesses, car les ondes coincées dans la boîte ne peuvent pas prendre toutes les formes possibles. C'est la quantification. Allez, donnez-moi un Q. Q.